Jorana te motamari. Jorana urume tua. Ya tu uto uru te maana. Mei te iroa. Te oe. Mei te iroa vo te maana. Te maana te motamari. E api uto na ia e numera aviti viti mei. Tit e matutur a ravea a aitor a. E nga mua roa e amata tato nga nuai o i te numerara. E itu anere, e yono a uru ma piti miria. E pe anere, vau a uru ma maa mirioni. E iwa anere, toru a uru ma tei tawatini. E tei, e itu anere, piti a uru ma vau. E nana me tato te mau numera a ma ineari. Tana numera ma tamua, nana me oto. A tanu ane tana papaira. Nana namu. Apira? Aore. Aore a api? Ti ia te va i api? Mirioni. Ti roto i te? Mirioni. Ti roto i te mirioni. E ma ine? Arawe me uet pua papa. E ai ai te numera i tu i roto i te mirioni. Pe anere va ua uru mama. Pe anere vau a uru mama. Maruru. Tua a piti. Te nuaia e te tāpura piti e te tāpura pē. Te numera matamua. Piti tā te i maa. I roto i te toru a uru e ia pē. O te limo e me te ta o e te o me? Wa au au atu o tōti toru anere tāra e maa ta anu tīnapi e ia ia moni e au mape ta anu tīnapi e piti tau tini pe anere tāra ta tōti e ia ia ta anu tīnapi e mamei. Et noa ame. J'ai choisi d'enseigner les mathématiques en Rioruruto parce que certains élèves acquièrent facilement des notions mathématiques dans leur langue maternelle. Et surtout aussi parce que les énoncés proposés sont basés sur leur vécu et sur leur environnement. Sur l'admiration, j'ai des élèves qui en français ont des difficultés et puis le passage en Rioruruto a permis de faciliter la compréhension de comment construire un nombre. L'enseignement des trois langues pour mes élèves de CM1 CM2 leur permet une ouverture sur le monde, une ouverture par rapport à la culture, par rapport à l'apprentissage de nouvelles langues. Et aussi, ça complète un peu notre projet Communus, puisque nous avons une correspondance avec des partenaires européens. Et puis, l'apprentissage de l'anglais leur permet de se perfectionner dans cette langue.